We're now off to Mâcon, France, where we're going to meet a Romanian artist who paints icons on eggs. C'est d'abord une tradition orthodoxe, et chez les Roumains, à Pâques, on fait des œufs peints, des œufs colorés, tout ça. Puis bon, petit à petit, je savais plus quoi faire, quoi, entre les tableaux et tout ça. J'ai dit, je peux essayer de faire des œufs pour Pâques, mais avec des scènes religieuses, tout ce qui est en rapport avec la fête de Pâques, avec la vie de Jésus et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à les faire. Puis bon, au début tout timidement, puis après peut-être un peu mieux. Ça c'est une Madone Renaissance. Tu vois, même l'habit et tout ça, bon. Et puis derrière, il y a des anges musiciens. Et ça, c'est une amie à moi, d'après un portrait qu'on lui a fait en Roumanie. Bon, parce que j'essaie de... Par exemple, celui-là, il y a une scène avec des personnages, plusieurs personnages. J'essaie de faire la même chose des deux côtés. Ça, c'est plus équilibré. Là, il y a une tête, là, il y a une tête. Bon, ça, c'est un peu plus populaire. Et de par les couleurs, et quand même, souvent, les gens, les paysans, quand ils peignaient, bon, ils ne respectaient pas les proportions. Donc, il y a une énorme tête, il y a des petites jambes. Bon, mais c'est drôle, je trouve. Celui-là, c'est un oiseau, c'est rien de spécial. Ça a démarré avec un oiseau, puis après, je me suis amusée à dessiner le corps, les fesses, les jambes. Les... Voilà, c'est parti comme ça. Ça symbolise pas autre chose que ce que c'est, quoi. C'est pas du tout religieux, comme on voit bien, mais c'est ce qui me passe par la tête. C'est au gré de mon inspiration, puis c'est amusant. Que j'ai fait avec des oiseaux, mais c'est pas des femmes là, c'est que des oiseaux avec des plumes. Ça c'est avec des lettres de l'alphabet cyrillique. Voilà. J'ai déjà exposé à Mâcon plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Personne n'achète.